Bon, mais attends, tu me regardes, tu ne dis rien. C'est quoi ce silence? Chérie, tu sais que tu regardes toujours ce qui est belle et que tu t'aimes, non? Écoute, je t'ai demandé l'argent. Depuis on est là, on cause rien. Tu vas me donner à quel moment rien? Chérie, je vais te donner l'argent. Donne-moi, pas je vais, donne-moi une fois. On quitte ça, ouais. Nos biens sont encore pleins. Oh. Je vais te donner l'argent pendant qu'on se sépare. Non, donne-moi ça maintenant, s'il te plaît. Oh, je veux toucher l'argent. Comment est-ce que Dieu a fait les femmes? Toujours l'argent, l'argent, l'argent. Il y a bien plus qui passe avant l'argent. Hein? Pardon, donne-moi l'argent. Donne-moi ça maintenant. Donne-moi. Ah, donne l'argent, ok. Oui, donne-moi. Ce n'est pas grave. Je veux pas tes choses là, que quand il te demande l'argent. Tiens, voilà tu l'argent. Tu me donnes jamais ce que je t'ai demandé. Voilà l'argent, chérie. Voilà l'argent. 20 000 francs. Ça fait 3 mois que je t'ai demandé l'argent pour les fêtes. 250 000. Sur 250 000 francs, tu me donnes 20 000 francs. Même pas 10%. C'est ce que j'ai pu avoir. Mais je te l'assure, dans une semaine, je vais compléter cet argent. Sérieusement, qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 000? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 000? On peut acheter quoi avec 20 000 francs? Dis-moi. C'est la greffe? C'est la nourriture? Les caleçons de mes petits frères, je peux acheter quoi avec 20 000? Tu fais d'abord ce que tu peux faire avec. Et le reste, on va voir après. Dis-moi ce qu'on peut faire avec 20 000 francs. Dis-moi un peu. Je veux que tu fasses ce que tu peux faire avec. Je vais compléter. Tu vas compléter combien? Sur 250 000, tu donnes 20 000? Hey! Oh, regarde mon. C'est ce que je peux te donner. Dis-donc, fous-moi le temps. Pardon? Donne-moi ça. Tu vas bien regarder. Je te donne. Il a joie. Heureusement que j'ai mon bénis qui est arrivé là. Regarde-moi l'autre. Sorcier. Qui est arrivé? Si tu me vois encore, tu m'appelles. Ce que je vais te faire, on va te dire que c'est moi, tu vas refuser. Yvonne. Feignant. Si tu m'appelles encore. Yvonne. Oublie-moi. C'est pas vrai. Feignant. Non. Je dis, je vais. Si tu me touches encore, donne-moi sa tête. Feignant. C'est pas possible. Chibania. 20 000, c'est facile. Il faut chercher des filles. Et si tu sais combien? Tu sais combien je gagne par jour? Tu gagnes combien par jour? Mon problème est où? Je te donne 20 000, tu balances. Mon problème est où? Je t'ai demandé 250, tu me donnes 20 000, que c'est quoi? C'est ta catégorie de femme. Quand tu me regardes là, tu te regardes, c'est ta catégorie. 20 000, n'importe c'est quoi. Vrai. Yvonne, appelle-moi encore. Feignant, pauvre type, c'est villageois. Tout ça pour moi? Moi, je suis dans mon village. Sorcier. Hey. La perruque que tu vois là, c'est moi, lui de ça, c'est 20 000. Lui de ça, c'est 20 000. Tu sais, compter même sur lui. Imbécile. Heureusement que j'ai mon plan B que j'avais déjà là-bas. Ah bon? Oui, mon bengiste est arrivé. Ok. Tu comprends, non? Mon bengiste est là. D'accord. C'est ce qui m'a ramené. Madame. Feignant comme tu ça. Tu oublies? Je vais carburer à tu l'héro. Oublies qu'il y a un proverbe de chez nous qui dit « Mieux vaut un tien que mille tu auras ». Qu'est-ce qui est arrivé? Proverbe des pauvres. Tu rêves? Dégage avec ça. Le bengiste est arrivé, c'est ça? Ok, on verra. Il n'y a pas de problème. Tu jettes deux billets de Marie Ngombe comme ça? Les gens cherchent ça dehors, ils ne trouvent pas. Toi, tu donnes deux billets de Marie Ngombe, tu balances. Ah! Mon bébé. Écoute chérie, tu m'as tellement manqué. Oh. Et toi aussi, et ta bonne bouffe africaine m'a manqué. Excellente cuisinière. Ouais. T'as toujours ta main magique là? Oui, tout le monde le dit. Mais chérie, dis-moi, on dirait que t'as perdu un peu de kilos là. Oui, oui, ah, j'ai perdu 5 kilos comme je savais que tu venais pour te faire plaisir. Ah ouais? Oh là là. Et tu sais aussi, tes positions à la con. Là. Quand je me rappelle ça, je bande dans tout Paris. Même sur les Champs-Élysées, je bande comme Banderas. Attends. Dis-moi, donc, chérie, rassure-moi, tu as ramené tous mes paquets? Lesquels donc? Les trois perruques. De sac à main et l'ensemble de 1700 euros, une perruque là. Ouais, tu m'as montré. Ouais, j'étais au magasin, j'ai vu des prix. Pas et mis. L'ensemble blanc cassé pour l'anniversaire de ma copine au 14 février. Ah ouais? Elle n'a pas de copain ta copine? Ah, mais c'est pas grave. Ta copine là? Oui. Hein, sa mère aussi, elle voulait pas ou ça va? Non, rassure-moi s'il te plaît. Tu as mes paquets ou pas? Tu sais. Justement, qu'on parlait de ces paquets-là. Tu sais, quand j'étais dans l'avion entre Paris-Dola, oui. L'avion une crevaison. Hein? Au niveau des... Attends, tu te calmes, je t'explique. Au niveau des bagages, bah, là, on a encore mené une enquête, là.
au niveau de hein, la soute à bagages là, et on tac-tac, hein, et ben bah, écoute, à la descente là, et puis en plus, le pilote Jean Roussier, il a piqué, un oiseau piqué là, wap-pap, ça l'a touché un peu l'œil, mais tout va bien, rassure-toi, les bagages seront là. Ok, il n'y a pas de problème. Ah oui. Et puis bébé, l'argent, tu m'as dit que c'est quand tu venais que tu me donnais l'argent. Parce que là, il y a les fêtes. J'ai encore rien acheté à mes petits frères. D'accord. Tu m'as dit que ta grand-mère était malade. Voilà. Ton arrière-grand-père est décédé. La cousine de la voisine a eu son chat qui a fait un avortement. Je me rappelle. Oula, j'ai pensé à tout le monde. Même à la grand-mère, j'ai pensé à elle. Ok, tu me donnes l'argent alors. Parce que je vais aller faire les courses demain. Là, j'ai ma carte. Hein. Tu connais un point de retrait hein, pour... Il y a une banque au Carrefour. Tout à l'heure, après la petite sieste, on verra. Hein. On va les retirer. Avec non, toi, j'ai confiance. L'argent et mes paquets, le reste... Oh là là, c'est que détaillé. Je t'aime tellement, mon cœur. Moi aussi, chérie, tu m'as trop manqué. Et puis, voilà, j'ai envie de te sentir. Oh là là, tu vas me sentir. Le couche-bois boisé, là. Tu connais le marteau pilon. Oh là. Allez. J'arrive. Place la potion grenouille, j'adore. Un euro, tu le repars. Oh, t'as pas perdu ton temps là, mec. Ah non, incroyable. Ah bon? Ça, ben l'autre, t'as pris une position là, je sais pas, est-ce que c'est la position dauphin ou plongée? J'ai vu ça dans un film. Et la go, elle avait plaqué son gars et puis elle a... Ah non, ne me rappelle pas. Sinon on repart. Non, on repart, ma chérie. Il faut d'abord qu'on aille retirer l'argent. Oh oui, si. Les gousses. Attends. Oh là là. Allô? Mais non! C'est pas vrai! Alors? Mais non! C'est pas vrai! Ah mais non! Hey, oh là là! À quelle heure? Ah là là! Mais non! Oh putain! Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Explique-moi ce qu'il va passer! Oh là là! Mais tu fais pas comprendre! Oh là là! Mais tu me fais peur! Oh putain! Dis-moi! Non! Quoi? C'est mon perroquet qui est décédé! Ton père est décédé? Mon perroquet! Ton perroquet? Ouais. Ok, c'est bon. Ok. Calme-toi, attends, viens. Chérie, oui. On peut aller retirer l'argent. Non, on veut pas, c'est pas de morale. Vas-y, sors, accompagne ma puce. Je te rappelle. Mais je pensais que j'allais... On est parti, non, pas Paul. Oh, mais non, merde. Chérie, écoute-moi. Je pensais que j'allais rester ici avec non. toi. Non, j'ai besoin d'être seul. Dans mon sac. Non, j'ai besoin d'être seul. Je reviens quand? Je t'appelle. Ah mais Paul! Je vais revenir demain, calme-toi chérie. Ce n'est qu'un perroquet. Non mais non, pas ça! Okay, non mais non! Ok, demain. Je t'en accompagne, prends des choses. Oh là, Paul! Paul, tu peux pas faire ça, on a mis des projets! Bébé, je suis désolée, oui. C'est un perroquet, ok? Oui! Allez, à plus tard, ma puce! Ah! T'es parti! Ah! Paul! Ah ouais, d'accord. Achète le truc à mon père, ma grand-mère est malade, mon oncle est malade, je suis dentiste. Ma grande m'a fait un avortement, je travaille à l'hôpital. C'est quoi ces conneries là? Bon, d'escrocs là. On se quoi? De toute façon, j'espère qu'elle m'a rien chopé. Bon. Elle est partie, c'est bien. Bon, allez. T'as aimé le parfum là? J'ai adoré. J'ai un peu le goûté. Hein. Tu sais, pour toi, je claque. Hein. Merci. Ça va plus. Et bah, dis-moi, tu sais, je pensais t'acheter une voiture. Chérie, à moi. Bah oui. T'es mon petit cœur. Tu me gâtes. Non, ça va bien. Oh non, bébé. C'est qui ça encore? Attends, mais
C'est quoi tout ça? Attends, donc c'est comme ça que tu te comportes quand je suis pas là? Tu la connais? Non. Mais ça veut dire quoi tout ça? Elle, c'est qui? T'es pas sérieuse, là. Qu'est-ce que tu as? Déjà, tu arrives chez moi, tu m'appelles pas. Tu m'envoies pas des SMS. Tu te crois où, toi? Oh, tu te crois où? Tu vois, c'est le jardin de ton grand-père ici ou quoi? Attends, hey, je... Tu débattes comme ça, tu fais des allers-retours comme tu veux, comme bon te semble. Qu'est-ce que t'as? Il faut arrêter ça. Quand tu parles de chez toi, c'est pas aussi chez moi. Je suis ta gauche, je te rappelle. Non! Rectificatif. Là, c'est la patronne. T'as capté? Mais ça veut dire quoi tout ça? Hé, hey, vous m'arrêtez ce cinéma, hein? C'est quoi? C'est quoi ça? Je gère. Je pense que t'es dans un film d'horreur, toi. Et je vais pas compter de 1 jusqu'à 3. Dehors, s'il te plaît. Je peux même pas bouger d'ici. Tu sors pas? Tu rêves. Tu sors ou pas? Je ne sors pas d'ici, je suis chez moi. Mais depuis quand? Mais jusqu'à hier, j'étais là. Non, c'est... Je viens! Tu vas prendre ton sac et tu m'appelles quand tu veux venir à la maison, ok? Ça veut dire quoi? J'ai pas le droit de venir ici comme je veux? C'est ce que tu m'as dit hier? Sarcelle, s'il te plaît, elle sort de cette maison où je sors. Elle sort ou je sors. Non, tu peux sortir. Mets-toi dehors. Arrête, pas. Mets-toi dehors. Tout ou pas. Non. Mais je peux pas me faire chier. Je veux pas me faire chier. Qu'elle sorte de cette maison. Attends, tu me connais, Sarcelle. Oh, merde. C'est bon. Il faut qu'elle sorte. Sarcelle, tu me fais ça à moi. Lui, il te fait ça à toi. Ça va. Sarcelle, s'il te plaît. Non, mais sérieux, tu vois ce que tu m'as dit hier? Bébé, laisse. Ok. T'énerve pas. Ok, d'accord, je vais partir. Oui. Vas-y. Où sont mes paquets que tu as ramenés de la France? Je te dis, c'est bon là. Il y a ma femme après. Vas-y d'abord. Est-ce que tu es mariée? Si tu la connais pas, vas-y, je te rappelle. Où sont mes paquets? Les cadeaux ne sont de rien, je te promets. Non, laisse tomber, c'est une vieille histoire, je l'ai promis des trucs et tout. C'est quoi une vieille? Elle vient chez les gens sans doute ça. Ah, c'est pas grave, je gère. T'énerve pas. T'as pas besoin. Et l'argent que tu m'as promis? Tu veux? S'il te plaît, sors! Chérie! Oui, ça fait s'il te plaît. Non, mais t'en sais pas. Oh, sors! Qu'elle sort! Tu peux partir ou pas? Pars! Merde! Qu'est-ce que tu veux, toi? Déjà, tu arrives chez moi, tu m'appelles pas, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu sais que je t'aime? Je veux rien dans ton merde! Chérie, c'est toi que j'aime. T'as compris? Voilà. Tu peux partir. C'est comme ça que tu me traites? Mais c'est toi qui as voulu. Tu peux partir ou pas? Sarcelle, est-ce qu'elle peut sortir de cette maison? Je ne sors pas! Je sors de ta voiture, tu es qui? C'est bon. Tu fais pas le désordre. C'est bon. Vas-y. Chérie, c'est pas grave. Ne la touche pas! Oh, touche pas mon bébé! En plus, elle a mon fils dans son ventre. Vas-y. Sorcière, sors! C'est une sorcière. Et tu n'auras rien. Rien du tout. Même pas un euro. Voilà. Je te prends, chérie. Elle est partie? Et puis. Non, mais c'est bon. Hé, hey, dégage! Oh! T'as vu ce que j'ai fait? Ah, mais ton mari, je suis un peu sauvage quand il faut. Hein. Hé, hey, j'ai failli là. T'as vu ou pas? Non. Mais pourquoi tu fais ça? Non. Avec qui? À peine arrivé, pourquoi? Non, écoute, c'est une vieille histoire. Bonjour chérie. Bonjour. Tu sais, chérie. Non, ne me touche pas. Laisse-moi. Dis-moi pourquoi tu m'appelles. Je ne parviens même pas à travailler à cause de toi. Tu m'appelles pourquoi? Chérie, c'est que... En fait, je me suis rendu compte que je t'aime et que je ne peux pas vivre sans toi. Pardon? Tu dis? Je me suis rendu compte que je t'aime et que je ne peux pas vivre sans toi. Attends, apparemment tu es malade. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Je te jure. Mais tu m'as insulté la dernière fois? J'avais bu. Tu m'as insulté la dernière fois jusqu'à me décoiffer, balancer l'argent que je t'ai remis? Chérie, j'avais bu. Hein? Bébé, je t'aime tellement, je Mais te non, jure. Laisse le mal, ne me dis plus que tu m'aimes. Ouais. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi aller faire mon boulot. Tu m'empêches de travailler là. Tu m'empêches de travailler. Chérie.
Bébé, pardon, attends. Ouais, pardon. Oh là là. Pardon. Je t'ai demandé de me laisser tranquille. Bébé. Ce n'est pas de ça il s'agit. Attends. Laisse-moi tranquille. Attends. Yvonne. Yvonne, je t'ai demandé de me laisser tranquille. Ouais. Je souffre tellement dans ma vie que quand je donne l'argent à une femme, elle me balance ça sur la face. Vraiment, je pense que c'est de trop. Bébé, non. Tu m'appelles une femme, je suis ta femme. Bébé, je ne peux pas vivre sans toi, je te jure. Allah. Ouais. Bon, attends. Laisse-moi un peu tranquille. Bébé, je sais que tu m'aimes, tu ne peux pas m'avoir. Non, laisse. En 24 heures, tu n'as pas cessé de m'aimer, je te jure. Bébé. S'il te plaît, bébé. Je demande que tu. Arrête. Bébé, arrête, non? Non. 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 Écoute, on cause d'abord, ça ne se passe pas comme ça. Bébé. Ça doit passer par une causerie. Oui. Je peux te donner une seconde chance. Ok. D'accord. Ok. D'accord, dis-moi. C'est tout ce que je veux. Oui. Ce sera même une dernière. Tout ce que tu veux. Je dis bien une dernière. Ok. Tu vas marcher comme je veux, faire ce que je veux, comme je veux, et quand je veux. Ok, chérie. Tout ce que tu veux. Et si tout ça est fait, le mois prochain, je t'épouse. Chérie, tu sais que le mariage... Ok. Tu dis le mois prochain, je t'épouse. Oui, même tu ça. Tu ne veux pas, tu réfléchis encore? Je veux. Je veux être ta femme, je te jure, je veux. Alors? Je t'aime.